Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie de la région carotidienne. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Une introduction, l'anatomie descriptive, notamment les limites, les parois et le contenu de cette région, les rapports généraux, quelques applications cliniques, et on va faire une conclusion. Alors, pour introduire, la région carotidienne est située à la partie latérale du cou, au-dessus de la région susclaviculaire et en arrière de la région parotidienne et des deux régions sous-hybridiennes. Elle doit son nom de l'artère carotide qui la traverse de bas en haut. Elle est entièrement masquée par le muscle sternocléidomastoïdien qui forme son couvercle musculaire. Maintenant, on va parler de l'anatomie descriptive. On va parler des limites de la région carotidienne. La région carotidienne est une région de forme quadrilatère qui est oblique en arrière et en haut. Et elle est limitée en avant par le bord antérieur du muscle sternocléidomastoïdien et en arrière par le bord de ce muscle. En haut, elle est limitée par le ventre postérieur du muscle dégastrique et en bas, elle est limitée par la clavicule et la fourchette sternale. En profondeur, il est limité par la colonne cervicale en arrière et par l'axe viscéral du cou en dedans. Alors, pour les parois de cette région, elle est composée par trois parois. Une paroi postérieure, une paroi médiale et une paroi latérale. Alors, pour les parois, on va parler de la paroi postérieure. La paroi postérieure est formée par le rachis cervical, par le biais des apophyses transverses de C3 à C7, par les muscles de la région prévertébrale, notamment le muscle long du cou, le muscle long de la tête et les muscles scalènes, notamment le scalène antérieur, le scalène moyen, vous voyez à ce niveau-là, le scalène postérieur. On a aussi le sympathique cervical, comme vous voyez à ce niveau. On a aussi les artères et les veines vertébrales, les artères et les veines vertébrales, et on a les branches profondes du plexus cervical. On a finalement la ponévrose prévertébrale qui recouvre le plan musculaire. Pour la paroi médiale, elle est formée par l'axe viscéral du cou, qui est formé par le corps de la thyroïde, le larynx, la trachée, le pharynx et l'œsophage, et le nerf récurrent de chaque côté. Concernant la paroi latérale, elle est formée par deux plans musculaires, un plan musculaire profond et superficiel. Le plan musculaire profond, il est formé par le ventre postérieur du muscle homo-hybridien, comme vous voyez à ce niveau-là, et en avant le muscle sternocléido-hybridien. Entre les deux, on a l'aponévrose cervicale moyenne. Pour le plan superficiel, il est formé par le muscle sternocléidomastoïdien, comme vous voyez ici. Maintenant, on va parler du contenu. Le contenu, on a un tissu cellulaire abondant. On a le paquet vasculonerveux du cou,
constituée par l'artère carotide primitive et ses deux branches de division. On a aussi la veine jugulaire interne et on a le lymphocentre cervical profond, comme vous voyez à ce niveau. On a aussi les éléments nerveux, notamment le nerf vague, vous voyez à ce niveau, et le nerf hypoglosse. Maintenant, on va parler de l'anatomie de l'artère carotide primitive ou carotide commune. Elle prend son origine à droite, à la base du cou de la bifurcation du tronc brachiocéphalique, à gauche et née directement de la crosse de l'aorte. Il a un trajet vertical, alors il monte verticalement dans la gouttière carotidienne. Il répond en dehors à la veine jugulaire interne et il est séparé par le nerf vague. Sa terminaison, il se termine en deux branches, une branche externe et une branche interne, au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde. Maintenant, on va parler de l'artère carotide interne. Il poursuit la direction verticale de l'artère carotide commune, puis elle va pénétrer dans le crâne pour nourrir le cerveau et les yeux. À la base du cerveau, les branches de la carotide interne et celles du tronc basilaire se rejoignent pour former le polygone de Willis. Pour l'artère carotide externe, il se détache de la face antérieure de la bifurcation de l'artère carotide commune. Il monte devant la carotide interne et donne naissance à des branches, notamment l'artère auriculaire postérieure, l'artère occipitale, l'artère linguale, l'artère faciale, l'artère thyroïdienne supérieure. Et se termine sous le col mandibulaire en deux branches, l'artère temporale superficielle, comme vous voyez à ce niveau-là, et l'artère maxillaire. La veine jugulaire interne est la principale et la plus volumineuse des veines cervicales. Il naît au niveau du foramen jugulaire. Et elle traverse les espaces profonds de la face, puis l'axe vasculaire du cou jusqu'à l'orifice crânial du thorax, selon un trajet oblique en bas, en avant et médialement. Il se termine en regard de l'extrémité médiale de la clavicule et s'unit à la veine sous-clavière pour former le tronc brachiocéphalique. Dans son trajet, elle est en dehors de l'artère carotide interne et de l'artère carotide commune et elle reçoit plusieurs affluents lors de son trajet, notamment le tronc thyro-lingofacial et la veine thyroïdienne moyenne qui est une veine inconstante. Il faut noter que la veine jugulaire interne elle est richement anastomosée avec les autres systèmes de drainage veineux. Pour les lymphatiques de la région carotidienne, on a le lymphocentre cervical profond latéral qui est formé par deux lymphocentres cervicaux. Les lymphocentres cervical superficiel qui suit la veine jugulaire externe et les antérieurs et externes. Et on a les lymphocentres cervical profond et ils sont formés de deux parties. Une partie médiane qui est au contact de l'axe viscéral du cou, comme vous voyez à ce niveau-là. Et on a
la partie latérale qui est au contact de l'axe vasculaire du cou. Concernant le nerf vague ou pneumogastrique, il va quitter la région rétrostylienne pour entrer dans la région carotidienne. Il va cheminer dans l'angle d'iliaire ouvert en arrière formé par la veine jugulaire interne, la carotide primitive et la carotide interne. Dans la région carotidienne, il va donner un collatéral important. C'est le nerf laryngé inférieur ou le nerf récurrent. Voilà. Il va continuer son trajet vers le bas et il va sortir de la région carotidienne et entre dans l'orifice supérieur du thorax. On a un autre nerf qui est le nerf hypoglosse. Il est situé à la partie supérieure de la région carotidienne. Au-dessous du ventre postérieur du muscle digastrique, il est oblique en bas et en avant et il croise la carotide interne en dedans. Il glisse entre le pneumogastrique en dedans et la veine jugulaire en dehors. Il donne naissance à sa branche descendante qui va s'anastomoser avec une branche du plexus cervical profond C2-C3. Pour former l'anse hypoglosse, d'où naissent les nerfs du muscle sous-immédiat. Concernant les rapports généraux, en arrière, on a la région prévertébrale avec les éléments nerveux, notamment les racines du plexus cervical, et les éléments vasculaires, notamment les veines et l'artère vertébrale. En dedans, on a l'axe viscéral du cou avec en haut le larynx, le pharynx. En bas, on a la trachée et l'œsophage. On a aussi des éléments nerveux, notamment le nerf laryngé supérieur et le nerf récurrent. En avant, on a au-dessous de l'os hyoïde les muscles sous-hyoïdiens, notamment le muscle sternohyoïdien et le muscle homohyoïdien et le muscle sternothyroïdien. On a aussi le corps de la glande thyroïde. Au-dessus de l'os hyoïde, on a la région sus-hyoïdienne latérale et on a la glande sous-mandibulaire. En haut, on a la région parotidienne en avant, comme vous voyez à ce niveau-là, le muscle digastrique, voilà, et on a l'espace sous-parotidien en arrière. En bas, on a le médiastin, comme vous voyez à ce niveau. Et on a le creux susclaviculaire en dehors. Maintenant, on va faire quelques applications cliniques. La pathologie principale de la région carotidienne touche les lymphocytes cervicaux profonds. Les adénopathies peuvent être d'origine inflammatoire ou métastatique. Les carcinomes épidermoïdes des voies aérodigestives supérieures sont associés à des métastases ganglionnaires cervicales dans plus de 50% des cas. Il faut noter que la palpation des lymphocytes est un geste essentiel afin d'apprécier l'extension tumorale. Cette palpation ne peut être réalisée que si le muscle sternocléidomastoïdien est détendu. Pour conclure, la région carotidienne est une région qui a un intérêt anatomo-chirurgical dû à l'importance du paquet vasculo-nerveux qui la traverse et qui est destiné à l'irrigation cervico-faciale et céphalique. Cette région est riche sur le plan ganglionnaire
D'où l'importance de l'examen clinique, notamment par la palpation.